Bonjour, le théâtre 116 à Fercé présente sa dernière pièce « Misère et noblesse, vraie misère et fausse noblesse », deux mondes qui se rencontrent dans une atmosphère napolitaine. « Misère et noblesse », une pièce déjà jouée à Fercé il y a tout juste 50 ans. Cette année, on va jouer une pièce qui a été jouée à Fercé en 1961, donc il y a 50 ans juste. Voilà, et c'est donc une forme d'anniversaire, de clin d'œil à nos aînés, enfin bon voilà. Et c'était cette pièce-là, Misère et noblesse, de Eduardo Scarpetta. Et c'est inscrit dans une certaine histoire de la commune, effectivement. Dans ces années 60, 50-60, c'était du théâtre de patronage, c'est-à-dire sous l'égide des prêtres, des curés de paroisse. Après, ça s'est laïcisé, et donc là, maintenant, on est plus du tout sous le même régime, mais le théâtre, l'amour du théâtre, lui, reste sur la commune. Misère et noblesse, c'est donc une comédie écrite à la fin du 19e siècle par l'Italien Scarpetta. Voilà, Eduardo Scarpetta, c'est un auteur italien de la fin du 19e siècle qui a beaucoup, qu'on peut comparer un peu à Eugène Labiche ou à Feydeau, à cette veine-là du comique de cette époque. Il a déjà d'ailleurs été traducteur de Labiche et de Feydeau en italien. Il a aussi, on peut le dire, été le père d'Eduardo de Filippo, dont on a joué une pièce ici. C'est le père réel et un peu spirituel aussi d'une lignée d'acteurs et d'auteurs italiens. Voilà. Donc c'est de la comédie à la fois légère, mais qui aussi a une dimension un peu sociale. Enfin, on voit en particulier dans la première partie de cette pièce-là à quel point la misère et le manque de tout peut générer chez les Napolitains de l'époque ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des troubles sociaux ou des troubles voilà. Et là, donc comme c'est une comédie, on s'en tire par une pirouette et en fait par une mascarade. En fait, ces pauvres-là vont devenir des faux nobles et ça va être une sarabande, je dirais, une farandole de situations un peu cocasses quoi, qui vont en résulter. La mise en scène, oui, c'est toujours. Enfin, disons que moi, c'est quelque chose que je prépare très longtemps en avance, en amont. Et toute la troupe, je dirais, commence les préparations à partir de mars-avril, en fait. Le choix des textes, le retenir un texte, relire, distribuer, enfin, couper, parce que j'ai fait des coupures aussi, mais même sous la forme à laquelle on est arrivé, la pièce fait plus de 2 heures, quand même, ce qui est déjà une bonne dimension, je dirais, une bonne durée, quoi. Voilà. Alors, la mise en scène, eh bien, ça consiste effectivement avec tout le monde à essayer de lire et de relire et de décortiquer un peu le texte pour voir ce qu'il y a dedans et ce qui n'est pas donné forcément d'emblée, mais qu'on essaie de faire émerger à travers les mots, les situations, pour créer quelque chose qui à la fois est du rythme, est un peu de profondeur, un peu de perspective. Enfin voilà, c'est ça la mise en scène. Cette représentation sont programmées salle polyvalente de Fercé entre le samedi 26 novembre et le dimanche 11 décembre.